Lui, c'est Max. Et Max, il a un problème. Chez lui, tout casse tout le temps. Aujourd'hui, c'est son lave-linge. Alors il doit en acheter un autre. Pour ça, il irait bien dans une grande surface. Pour faire comme d'habitude, puis comme tout le monde. Mais cette fois, Max, il a envie de changer. Il a entendu parler d'un nouveau site, Designer Desires. Un site sur lequel il peut acheter des produits durables qui sont conçus par une communauté d'utilisateurs qui, comme Max, souhaitent modifier leur manière de consommer. Alors Max, il va sur Designer Desires, il trouve un lave-linge, et la surprise, il a le choix de le commander soit déjà assemblé, soit en pièces détachées. Max se dit que finalement, s'il monte lui-même son lave-linge, il le connaîtra mieux et qu'en cas de panne, il pourra le réparer. Alors il l'achète en pièces détachées. Quelques jours plus tard, il reçoit les pièces, et il monte lui-même son appareil. Il est simple, il marche, et il va marcher longtemps. Quelques temps plus tard, Max a encore un souci. Cette fois, ce sont ses écouteurs qui ne fonctionnent plus. Il retourne sur Designer Desires, malheureusement, il n'y en a pas à vendre. Max se dit alors que, les produits vendus sur le site étant conçus par une communauté, il n'a qu'à proposer son projet. C'est ce qu'il fait, le projet écouteur simple et durable est lancé. Pendant plusieurs semaines, des gens contribuent au projet. Et une fois les écouteurs conçus, Designer Desires décide de lancer la production. Max est content. Non seulement il a de nouveaux écouteurs qu'il a contribué à concevoir, mais en plus il a le sentiment d'avoir fait bouger les choses. Un sentiment que ressentent tous les membres de Designer Desires. Designer Desires, c'est Bertrand, Camille, Mathieu, Garance et Florian. 5 étudiants qui se sont lancés le pari fou de responsabiliser le consommateur sur toutes les étapes de vie d'un produit, de la conception jusqu'au recyclage, en passant par la fabrication, l'assemblage et l'utilisation.